Être chrétien, ça veut dire quoi ? 50e lettre. Amis et connaissances de toujours ou d'un instant, électeurs, auditeurs inconnus. Il y a un mois, je vous ai expliqué qu'au début du christianisme, la messe était d'abord un repas simple. Et je vous ai dit que l'anéantissement de Jérusalem et de son temple prestigieux était un événement gravissime qui avait modifié l'histoire de l'humanité. Petit rappel historique. En réponse à un soulèvement massif du peuple juif en 66 contre Rome, qui l'accablait d'impôts, l'armée romaine, dirigée par Titus, anéantit en l'an 70 Jérusalem et son temple, ne lui laissant pas pierre sur pierre, comme Jésus l'avait prédit 40 ans plus tôt. En réalité, contrairement à ce qui est généralement compris, ce n'est pas l'événement lui-même qui bouleversa l'histoire. Ce n'était pas la première fois que les Juifs perdaient une guerre, que ses murailles étaient abattues et son temple rasé, et qu'un tel désastre était interprété comme un châtiment divin. Ce fut le fait que, à la suite de cette catastrophe, nombre des prêtres qui n'avaient pas été réduits en esclavage par les Romains, vainqueurs, ou n'avaient pas réussi à fuir la Palestine, rejoignirent la nouvelle secte, désormais appelée la secte des chrétiens, en amenant avec eux leur culture du sacrifice. Culture du sacrifice qui les incita à la fois à prendre à la lettre la fameuse prophétie que Jésus avait prononcée lorsqu'à ses apôtres il avait prédit, parlant du temple de Jérusalem, « Il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Langage figuratif qui, s'il s'appuie sur un événement qui s'est réalisé matériellement 40 ans plus tard et autrement plus riche d'enseignements, car piétiner les valeurs que Dieu a mises en nos consciences, dont le temple, comme aujourd'hui les synagogues, les églises et les mosquées des trois religions du livre, symbolisaient la présence, est bien plus lourd de conséquences. Et à s'approprier la théologie de Paul, l'apôtre de la dernière heure, mort quelques années plus tôt et devenu le plus célèbre des missionnaires chrétiens, lequel Paul, reformulant le sacrifice de Jésus à sa manière, avait fait du rachat du péché originel et de tous les autres péchés commis depuis Adam par les hommes, la condition voulue par Dieu pour que l'humanité puisse entrer dans la vie éternelle, c'est-à-dire soit sauvée. Je rappelle que le message de Jésus était quelque peu différent. À l'instar de son cousin Jean-Baptiste, Jésus a plaidé pour que soit édifiée une civilisation nouvelle, où tous les hommes pourront vivre en paix et être vraiment heureux sur terre, pour commencer. Nécessité absolue dont il a témoigné en la signant par sa mort sur la croix. En sorte que la messe-repas du début du christianisme devint une messe-sacrifice, au cours de laquelle le prêtre réactualise le sacrifice de Jésus mort sur la croix pour racheter le péché originel commis par nos premiers parents Adam et Ève, ainsi que tous les autres péchés dont les hommes, depuis, se sont rendus et persistent à se rendre coupables. Lorsqu'il prononce à l'autel les paroles de Jésus, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » Formulation savante, qui nécessite un véritable effort pour qui veut retrouver la condamnation de l'injustice première et de ses conséquences que Jésus voulait dénoncer quand il enseignait la bonne nouvelle. Car une telle formulation ne rend plus immédiat le fait que, si Jésus a sauvé l'humanité, c'est parce qu'il a mis en pleine lumière, de façon encore plus forte que Jean-Baptiste, les maux générés par les fameux désirs de la possession du pouvoir et du paraître qui ont pour origine l'injustice première. Et qu'ainsi il n'apparaît plus de façon claire que c'est pour stigmatiser ce mal qu'il s'est librement laissé condamner à mort. Vu sous un autre angle, alors que Jésus avait recruté ses amis les apôtres parmi les gens du peuple, l'élite ecclésiastique juive mit ses pas dans ceux de Paul, le brillant docteur de la loi juive qui avait rejoint les chrétiens quelques années après la mort, résurrection, ascension de Jésus, et fit sienne la façon dont il avait compris ce mystère. Ainsi, ces gens cultivés, dont chacun reconnaissait l'autorité à cause de leur connaissance des Écritures, reprirent-ils à leur compte la théologie de Paul, et du coup transformèrent le message simple et lumineux de Jésus, ainsi que je me suis efforcé de vous le présenter, en un ensemble de considérations, certes élevées,
mais difficilement compréhensible, le rendant désormais sans effet pour la majorité des chrétiens. En sorte que le combat contre l'injustice qu'avait mené Jésus depuis son esclandre dans le temple de Jérusalem jusqu'à son assassinat légal devint le sacrifice rédempteur de la croix, agréé par Dieu, par lequel Jésus a racheté le péché originel commis par Adam et Ève ainsi que tous les autres péchés qui ont entaché et entachent depuis l'humanité, sacrifice qui assure le salut et pour lequel et qui nous permet d'accéder à la vie éternelle après notre mort. Et que le sens des paroles de Jésus, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, refaites cela en mémoire de moi », par lesquels il avait convié ses disciples à s'approprier à leur tour la bonne nouvelle pour qu'ils se mettent à aimer comme lui-même avait montré qu'il faut aimer, devint, lorsque le prêtre prononce ces paroles sur le pain et le vin qu'il consacre à Dieu, le vrai corps et le vrai sang de Jésus, et sa mort sur la croix, la réactualisation du sacrifice de Jésus par lequel il a sauvé l'humanité. Formule qui, sans que les autorités de l'Église s'en rendent compte, rendent obscur le message pourtant clair de justice, de paix et de bonheur lancé par Jésus. Cette bonne nouvelle qui nous révèle que nous n'avons qu'une seule mission sur terre, aimer. Ce qui veut d'abord dire commencer par pratiquer la vraie justice. Et en plus, aimer non seulement ceux que l'on est porté à aimer, mais de façon égale, nos adversaires, voire nos ennemis. Car Dieu, lui, les aime aussi, puisqu'il leur donne la vie, même quand ce qu'ils font ne lui plaît pas. Formulation théologique qui s'appuie donc sur la doctrine de saint Paul, qui, ainsi que je l'ai avancé, prenant à la lettre le récit symbolique de la Genèse enseigné de même que la faute d'un seul Adam, a entraîné sur tous les hommes une condamnation. De même, l'œuvre de justice d'un seul, Jésus-Christ, procure à tous une justification qui donne la vie. Et même sur ce qu'a écrit Pierre, le successeur de Jésus qui, sans doute influencé par le grand savoir de Paul, écrirait un jour, lui, Jésus, qui sur le bois a porté lui-même nos fautes dans son corps, afin que, mort à nos fautes, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéri. Et également sur l'Apocalypse, où l'on peut lire, Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, nous aime et nous a lavés de nos péchés par son sang. Sauf que cette façon compliquée de formuler l'exigence première de justice élémentaire pour laquelle Jésus est allé jusqu'à se laisser crucifier, les chrétiens vont s'arrêter à la traduction mot à mot de l'expression « repentir pour le rachat des péchés » qu'utilisaient effectivement Jean-Baptiste et Jésus et la banaliser en la formule « pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés » qu'il répète sans savoir qu'elle est tirée du guide d'entretien avec Dieu que leur a donné Jésus, guide de discussion dont ils ont fait le Notre Père. Oubliez que c'est eux qui, les premiers, doivent s'employer à réparer cette injustice première, origine de tous les maux que génèrent ensuite les règles diaboliques de la possession du pouvoir et du paraître que les hommes se sont donnés comme divinité et contre lesquelles s'est élevé Jésus dès le début de sa mission. Reporter après notre mort dans ce qu'il est convenu d'appeler la vie éternelle, le projet de bonheur sur terre voulu par Dieu pour toute l'humanité, et en obscurcissant ainsi la dénonciation on ne peut plus ferme de l'injustice première et de toutes les injustices qui en découlent, la possession, le pouvoir et le paraître que Jésus avait stigmatisé en se laissant volontairement clouer et élevé sur une croix, amoindrir considérablement la force de ce message de bonheur qui est avant tout la bonne nouvelle du salut, et rendre le christianisme impuissant à changer nos façons désastreuses de gouverner la terre. Oubli de la simplicité évangélique du message qu'est la bonne nouvelle, qui devint dramatique quand l'Église s'avisa de transformer en dogme, c'est-à-dire en obligation de croire, cette nouvelle façon de formuler la foi chrétienne. Ce qui était contrevenir à l'instruction limpide que Jésus avait donnée avec la première image de sa parabole du semeur, voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. Image qu'il avait commentée de façon on ne peut plus claire. Quelqu'un entend-il la parole du royaume sans la comprendre? Arrive le mauvais qui emporte ce qui a été semé dans son cœur
Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Pour ne pas être trop long, je vous développerai dans ma prochaine lettre ce à quoi ont conduit ces formulations du salut intellectuel, compliquées, dites théologiques, qui ont été données de la bonne nouvelle. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer « Auditeur YouTube », vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.